Le ciel de Moutier était chargé ce week-end. Plus d'une centaine de pilotes se sont retrouvés pour le Gretrix après 4 ans d'absence. Le public, lui, s'en est mis plein les yeux avec plusieurs démonstrations, parapente acrobatique, base jump, wingsuit et modélisme. Mon oncle fait du parapente, justement, à la licence, et ouais, ça me booste pour aller faire du parapente. Alors, tu m'avais dit avant, t'en as déjà fait, c'est quoi les sensations quand tu fais du parapente ? Bah, les sensations, c'est toujours un peu des tournis dans la tête, tout dépend comment tu pilotes. Franchement, ouais, c'est comme une montagne russe. Au pied du Gretry, les plus de 1000 visiteuses et visiteurs avaient les yeux rivés vers le ciel et vers l'hélicoptère duquel plusieurs pilotes se sont jetés. Le moment justement, on va dire, d'inconnu, c'est le moment où on va se jeter, où on n'a pas de vitesse, parce que justement, on peut rien faire. Hein, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'appui, du coup, il ne faut pas bouger. Et c'est ce moment, en fait, qui je trouve agréable au début. On se jette, et on attend. Et là, il ne se passe rien. Et gentiment, on sent le vent qui vient sur le corps, et là, on est dans quelque chose qu'on connaît. Et quand on est dans quelque chose qu'on se connaît, on se met dedans, et on peut se déplacer à droite, à gauche, on peut freiner, accélérer. En Moutier, on a vraiment de la chance de pouvoir avoir des meilleurs pilotes, même, je pense, européens, quoi, il y a certains. Donc, c'est rare. Plus de 500 décollages ont été recensés au sommet de la montagne du Gretry. La 8e édition de la manifestation s'est déroulée sans incident.